Bonjour, je suis Charlotte Huyer, auteure du livre Je choisis d'être moi et aussi votre guide pour vous aider à identifier puis dépasser toutes ces limites et ces souffrances qui vous empêchent de vivre la vie que vous souhaitez réellement. Savez-vous que les personnes qui se sentent libres d'être elles-mêmes, qui se sentent libres de choisir leur vie, ont généralement des vies plus riches, plus épanouissantes, qu'elles vivent des expériences merveilleuses qui sont totalement en cohérence avec elles-mêmes. Ce sont des personnes qui savent dire oui quand elles ont envie de dire oui, qu'ils savent dire non également quand elles ne veulent pas quelque chose. Ce sont des personnes qui, en définitive, sont capables de vivre sans se soucier de ce que pensent les autres d'elles-mêmes. Parce qu'elles ont une confiance en elles inébranlable. Ce sont aussi des personnes qui créent de la richesse. Parce qu'elles sont capables de se créer pour elles-mêmes une vie qui leur ressemble. Je suis sûre que si vous êtes ici, c'est que manifestement dans votre vie, ce n'est pas comme ça. Que vous avez sans doute peur du jugement des autres. Que vous avez sans doute de la difficulté à affirmer vos choix. Que vous avez de la peine à lâcher des choses de votre vie qui pourtant vous sont toxiques. Et vous savez, tout ça, je le comprends parfaitement parce qu'en fait, moi aussi, j'étais cette personne-là qui se sentait obligée de se lever le matin pour aller travailler parce que j'avais l'impression que je n'avais pas le choix, que finalement, il fallait que je fasse ce que les autres attendaient de moi pour être acceptée, pour être aimée, pour, disons, payer ma place ici, pour avoir le droit d'exister. Mais je me suis rendu compte finalement que la vie, c'est pas ça. La vie, c'est pas se lever le matin pour payer le loyer. La vie, c'est pas faire ce que les autres veulent de nous. Et quand j'ai pris conscience de cela, j'ai été capable de lâcher des emplois pourtant stables qui me donnaient des bonnes rémunérations. J'ai été capable de remettre totalement en question finalement ce qu'était ma vie à ce moment-là. Et à partir de là, je me suis littéralement laissée guider par ce qui, au fond de moi, criait pour sortir. Mes convictions, mes belles aspirations, j'ai fini par les écouter tout simplement parce qu'elles étaient là et elles hurlaient en moi pour sortir. Mais effectivement, c'est difficile de faire cela. J'en conviens que l'on doit dépasser beaucoup de peur, on doit dépasser beaucoup d'angoisse, beaucoup de doutes pour finalement arriver à être en totale cohérence avec soi-même. C'est pour ça que moi, j'ai étudié pendant plus de 7 ans. J'ai étudié les meilleurs. J'ai participé à des formations d'élite, des formations qui m'ont donné cette ouverture, qui m'ont donné toutes ces idées, ces concepts qui m'ont permis de comprendre comment faire. Comment fait-on quand on veut suivre ses belles aspirations? Comment fait-on quand on a quelque chose au fond de nous qui veut sortir et qu'on n'y parvient pas parce qu'on a trop peur de se faire rejeter par tous les gens qui nous entourent. Alors oui, je vous comprends, mais j'ai aussi quelque chose pour vous aider à faire la même chose, à laisser sortir de vous, à laisser émerger ce qu'il y a de plus beau et ce qui vous permettra de vous approcher petit à petit de cette personne
que vous aspirez à être. Pour ce faire, pour arriver à ce résultat, j'ai mis au point une formation. Cette formation, elle s'appelle « Les 7 obstacles à la liberté d'être soi ». Car j'ai voulu mettre un pied d'honneur à expliquer tout ce qui finalement nous empêche d'être nous-mêmes et vivre la vie que nous rêvons de vivre. Ce programme est un programme en ligne, c'est-à-dire que vous vous connectez et vous accédez chaque semaine à un nouveau module. Donc il y a 7 modules de base plus un module bonus, voilà, que j'ai souhaité ajouter pour mettre encore plus de contenu pour vous. Et donc dans chaque module, vous avez donc une vidéo de cours, donc comme ce serait celle-là, donc c'est une vidéo, donc vous écoutez avec des concepts, des exercices que je vous propose de faire. Vous avez la fiche résumée à télécharger où viennent les exercices, donc vous pouvez faire les exercices sur la fiche directement. Et en plus, donc j'ai préparé aussi des audios pour aller encore plus loin et pour vous familiariser de plus près avec ces concepts et accélérer votre changement. Ce programme, il dure 3 mois comme minimum. Voilà, donc comme il y a 8 modules, on calcule, donc ça fait 8 semaines, ça fait 2 mois. Donc vous avez un mois supplémentaire pour si une semaine vous n'avez pas pu travailler ou pour si vous avez pris à un moment donné du retard. Voilà, donc je vous donne un mois de plus. Et il existe même une version de ce programme en premium, je l'ai appelé comme ça, dans laquelle au lieu de 3 mois, donc vous avez droit à une durée plus large, donc de 6 mois, dans lequel vous pourrez voir et revoir les vidéos, comprendre peut-être plus profondément les concepts. Et dans les deux cas, de toute façon, vous avez droit à du coaching individuel par mail dans la version de base, par Skype dans la version premium. Voilà, donc tout ça, ça c'est le programme. Donc ce que je vous propose, donc, c'est de vraiment mettre le pied à l'étrier. En plus, on est en début d'année, donc c'est vrai que c'est important de le faire maintenant parce que c'est vrai qu'en début d'année, on se dit, ça y est, nouvelle année, on va changer. On a envie, on a en nous ce besoin, cette envie de changer. Mais bien souvent, on ne sait pas par où commencer. On ne sait pas quel premier pas faire, on est perdu. On se dit, mais... oui, c'est bien beau tout ça, mais comment je fais? Comment je fais techniquement? Donc moi, ma méthodologie, pour ceux qui ont lu mon livre, doivent le savoir déjà, mais je mets un trait d'honneur à accompagner les gens pas à pas. J'aime que les gens se sentent accompagnés, qu'ils se sentent tenus par la main, parce qu'il me semble que bien souvent, on est un peu trop livré à nous-mêmes. Il existe beaucoup de programmes où effectivement, on n'est pas trop derrière vous et il est parfois difficile de se faire violence et d'aller faire les exercices, d'aller au-devant de ces changements qui finalement nous bouleversent et remuent beaucoup de choses en nous. Donc c'est bien d'être accompagné dans tout ce qu'on ressent, dans tout ce qui se passe en nous dans le cours de ce processus-là. Voilà. Donc, ce programme est là pour vous, pour vous aider à faire ce saut vers le changement, ce saut vers une vie meilleure et plus cohérente avec vous-même. Voilà. Donc c'est ça que je vous propose. Ce programme, il coûte une toute petite fraction de ce que moi-même j'ai dépensé parce que je me suis formée pendant toutes ces années. J'ai utilisé, testé des méthodes, j'ai lu aussi beaucoup de méthodes, j'ai appliqué des choses, des enseignements. Et tout ça, tout ce temps, tout l'argent même dépensé pour les formations, les déplacements, etc. Si je devais le chiffrer, pardon, ce serait
beaucoup d'argent. Je ne vais pas vous donner une somme parce que c'est difficile à calculer, mais c'est énormément d'argent et de temps. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que ce programme, il ne coûte qu'une minuscule, ridicule fraction de ce que moi-même j'ai dépensé. Pourquoi cela? D'abord parce que c'est le premier lancement, donc c'est un prix de lancement. C'est un prix qui va évoluer avec le temps. Ça, c'est une première raison. La deuxième raison, c'est que j'avais vraiment envie que tout le monde puisse participer. Que ce soit un prix qui soit accessible vraiment à tous. Parce que je sais qu'il y a tellement de personnes qui ont besoin qu'on les accompagne, qu'on leur prenne un petit peu la main pour les aider à changer, pour les aider à voir qu'une autre vie est possible. Que je me suis dit qu'il fallait faire un prix raisonnable. Et puis tant pis, c'est un premier lancement. Donc voilà, peut-être je me rattraperai plus sur les autres sessions. Mais pour cette première session, profitez-en pleinement. C'est mon cadeau. Je voulais vraiment que ce soit comme ça. Que ce soit profitable pour tous. Voilà. Et ouvert. Ouvert à un maximum de personnes. À un maximum de personnes, potentiellement. Cependant, sachez qu'il n'y a que 40 places dans la version de base et 10 places dans la version premium, ce qui nous fait 50 places au maximum que je peux couvrir. Parce qu'effectivement, il y a du coaching individuel et donc si j'accueille plus de 50 personnes, je vais vite être très débordée et je ne vais pas pouvoir m'occuper pleinement et complètement de chacun d'entre vous. Donc, j'ai pensé faire les choses de cette manière-là. Et donc, une fois que les places seront vendues, eh bien, malheureusement, je serai obligée d'attendre la prochaine session qui, je ne sais pas encore quand est-ce que je réouvrirai les portes de la formation. Donc, je ne peux pas vous dire de date pour l'instant. Mais donc, voilà, ce qu'il est important de retenir, c'est que le prix est accessible. Donc, les places vont se vendre très rapidement. Voilà. Parce que j'ai de nombreux partenaires et que je vais en parler. Voilà. Parce que, voilà, c'est normal d'en parler. Parce que moi, pour moi, c'est un programme qui est super. Et donc, je veux le partager au maximum de personnes. Donc voilà, vous avez entre les mains cette possibilité de rejoindre cette formation et puis de mettre le pied à l'étrier vers votre nouveau vous. Vers cette nouvelle personne que vous souhaitez être. Mais cependant, j'imagine qu'il y a certains d'entre vous qui hésitent, qui peut-être ne sont pas totalement convaincus, qui peut-être ne me connaissent pas beaucoup. Allez voir des vidéos sur YouTube si vous voulez. Mais moi, j'ai envie de vous dire que simplement, suivez un petit peu ce que vos sensations, qu'est-ce que votre cœur vous dit? Est-ce que vous vous sentez de venir, de prendre ce train? Parce que il va vite partir. C'est une opportunité qu'il y a là et qui va vraiment, vraiment vous donner une nouvelle impulsion dans votre vie. Je vous le garantis. Et bon, tant pis pour ceux qui ne se sentent pas de faire partie de l'aventure, eh bien, je les remercie tout au moins d'être arrivés jusque-là et de m'avoir écouté avec autant d'attention. Pour tous les autres, j'avais un petit cadeau à vous faire parce que même si vous êtes intéressés, il y a toujours des petits doutes qui sont là, qui nous assaillent, qui nous disent « Mais non, le fais pas, tu verras, non, ça sert à rien, etc. etc. » Donc, pour vous aider à faire votre choix, j'ai un petit exercice qui va lever de nombreux doutes. Voilà. Et pour ceux qui n'étaient pas du tout convaincus, peut-être que cet exercice vous donnera un petit aperçu aussi de ce que je peux vous offrir pendant le temps de cette formation. Donc, je vous propose de vous asseoir confortablement, une chaise, un fauteuil, ce que vous voulez, de plutôt vous mettre dans une salle où vous ne serez pas dérangé, pendant, ça ne va pas durer très longtemps, 5-10 minutes, voilà. Et donc, tranquillement, vous fermez les yeux
Et vous prenez quelques grandes respirations. J'aimerais que derrière ces paupières closes, vous vous visualisiez dans une toute petite boîte. Vous êtes dans une petite boîte en carton et vous êtes enfermé là. Pour l'instant, vous n'avez pas la possibilité de sortir, vous êtes tout recroquevillé. C'est assez incommode. Inconfortable d'être là-dedans. Et puis, autour de vous, vous entendez des gens parler, rire. Vous sentez qu'autour de vous, il y a beaucoup de joie. Beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Et puis, vous, vous êtes dans cette petite boîte sombre, enfermée, inconfortable. Cette petite boîte, elle représente vos peurs. Elle représente vos doutes. Elle représente votre étroite zone de confort. Car même si elle s'appelle zone de confort, elle n'est pas du tout confortable. Car en fait, votre âme ne demande qu'à sortir, ne demande qu'à faire des choses exceptionnelles. Mais vous, vous préférez rester là, parce que vos peurs sont trop fortes. Vous avez tellement peur d'être rejeté, tellement peur de ne pas être aimé, tellement peur de ne pas satisfaire aux autres, tellement peur d'être finalement vous-même. Eh bien moi, ce que je vous propose, c'est de démolir cette boîte. On va démolir ensemble cette boîte en carton. On va faire un grand geste avec les bras, avec les pieds. Vous allez y mettre tout votre cœur et votre énergie. Et vous allez sortir, casser cette boîte. Allez-y, à trois, on sort toute cette énergie de nous. 1, 2, 3. Ça y est, on a explosé la boîte. On a explosé cette boîte. Vous gardez les yeux fermés. Et là, sous vos yeux, vous avez la vie dont vous aviez toujours rêvé. Imaginez-vous dans cette maison. Vous savez, cette maison qui vous est venue en rêve. Cette maison, où est-elle? À la campagne? En bord de mer? À la montagne peut-être? Visualisez aussi toutes ces personnes qui vous accompagnent, ces personnes que vous aimez, qui vous soutiennent, qui sont là auprès de vous pour vous aider à réaliser vos rêves, vos projets, qui vous soutiennent dans tout ce que vous avez envie de faire, qui vous aiment tel que vous êtes. Et Imaginez qu'est-ce que vous faites dans cette vie. Imaginez une journée normale. Vous sortez de chez vous, vous allez travailler, mais c'est un job super intéressant, super enrichissant. Vous êtes entouré de personnes que vous appréciez beaucoup, qui vous apprécient, qui vous traitent bien.
à votre juste valeur, qui vous donne du travail intéressant, qui vous valorise. Peut-être êtes-vous un travailleur indépendant, peut-être avez-vous créé votre société, peut-être voyagez-vous de par le monde et racontez-vous vos voyages dans un blog, peut-être êtes-vous photographe de mode, qui sait. Quelles sont les choses auxquelles vous aspirez vraiment? Quelles sont vos passions? Quelles sont les choses que vous aimeriez faire? Mettez-les dans ce songe, mettez-les dans cette visualisation. Imaginez-vous. Visualisez tout ce que vous avez envie de faire dans cette journée. Dans cette journée de votre vie. Imaginez. Beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Beaucoup de personnes merveilleuses autour de vous. Vous faites tout ce que vous aviez envie de réaliser depuis toujours. Et des personnes sont là en plus pour vous aider à le réaliser. Tout arrive, tout est fluide, tout est cohérent. Je vous laisse quelques secondes de plus pour imaginer. Puis, je vous laisse revenir un petit peu ici, tranquillement. Reprenez possession de l'ici et maintenant. Revenez avec moi. Quand vous le souhaitez, vous allez rouvrir les yeux. Oui, il y a encore beaucoup de peur. Certes, il y a encore beaucoup de doutes. Faites l'exercice de les écrire, de les mettre sur papier, toutes ces peurs, tous ces doutes. Mais rendez-vous compte aussi de la puissance que vous avez à l'intérieur et tout ce qui ne demande qu'à sortir, qu'à émerger et à vous propulser vers une vie merveilleuse. Vous l'avez là, en vous. Moi, je ne suis qu'un catalyseur. Je suis là pour vous aider à le faire sortir, à le faire émerger de vous. Il n'y a pas de doute. Vous êtes tous des personnes merveilleuses. Mais cependant, avec des croyances, des limitations, des peurs, des doutes qui vous empêchent d'aller chercher cette personne-là, que vous êtes au fond. Moi, je peux vous y aider. Et si ce n'est pas au travers de cette formation-là, sachez que je peux vous accompagner individuellement, en coaching, grâce à mon livre. Alors voilà, tout est entre vos mains. À vous de faire votre choix. Je ne peux pas le faire à votre place. En plus, pour ce programme, je cherche vraiment des personnes qui veulent changer. Pas des personnes qui viennent faire du tourisme dans cette formation-là. Donc, si vous sentez que c'est pour vous, eh bien, allez-y, foncez. Si ce n'est pas fait pour vous, eh bien, tant pis, c'est pas grave. Sans doute, une autre personne vous conviendra mieux. En tous les cas, je voulais vous transmettre toute ma gratitude pour avoir écouté jusqu'ici. Mille merci. Et voilà, je vous retrouve tout à l'heure pour ceux qui choisissent de me rejoindre dans cette formation-là des 7 obstacles à la liberté d'être soi. Donc, je vous dis à bientôt, quel que soit votre choix, car sans doute nous nous retrouverons dans d'autres communications. En attendant, pensez à cultiver qui vous êtes vraiment. Pensez à nourrir votre identité profonde.